Bienvenue à tout le monde sur cet épisode, l'épisode, la centième du podcast LFA. Nous sommes vendredi le 21 janvier 2022, de retour en virtuel. On est chacun chez soi dans la sécurité de notre maison. Comme tu dis, Renaud, c'est que il y a certains podcasts maintenant québécois qui continuent de faire ça dans les studios, mais étant donné que notre podcast ne fait pas assez d'argent avec la vente de t-shirts, on peut pas faire le podcast puis dire que c'est pour le travail. J'ai entendu dire qu'on avait vendu 3 t-shirts. Il y en a toujours qui sont en vente, comme ceux-ci. Et j'ai avec moi le prochain, le troisième t-shirt qui va être posté. Donc, si vous voulez avoir... gens, j'ai une question, Renaud. Est-ce qu'il y a des gens parmi ceux qui ont acheté des t-shirts qui ont fait la demande qu'ils soient autographiés ou ça... T'as pas eu cette demande-là? On n'a pas eu de demande d'autographe. J'espérerais que le quatrième, il y ait une demande dans ce sens-là. Sinon, ça... Mais là, si tu imagines, Julien, si c'est ton autographe qu'on veut sur le chandail? Ben non, mais ben là, je m'en voudrais pour vous, mais j'ose espérer que la signature des membres... ça peut se faire, mais... Ça rajoute des délais là, avant qu'on les 4, les 5, même si on rajoute Mathieu, 6, qu'on ait signé. Il n'y a pas une compagnie qui s'appelle, je ne sais pas, DocuSign. Là. Peut-être que tu pourrais nous faire signer en ligne le T-shirt. Puis on a déjà là, un consommateur, un auditeur satisfait là, qui m'envoie sa photo là, qui nous permet de partager. Donc, si vous aussi vous voulez vous promener avec notre beau chandail du podcast, moi-même, il va falloir que je m'en rachète un parce que le mien était tout troué. Là, fait que ça, on va être rendu à 4. Mais moi aussi, j'en ai besoin d'un. 5! Mais tiens, là, Renaud, tu devrais le mettre en vente, celui qui est vintage. Ah, ben, OK. Ben, si quelqu'un veut mon vieux T-shirt avec des trous que j'ai porté, je peux même l'autographier seulement 10$. Quand même. Quand t'es vieille guenille. Ça va valoir plus que ça, hein, dans 10 ans. Fait que, ben, puis là, le thème de l'épisode, c'est le lancement de la saison 4, mais aussi, on allait un peu, dans le fond, le thème, c'était de passer... En revue un peu l'envers du décor, puis nos moments favoris dans le podcast, puis partager, puis discuter de ça. Mais avant toute chose, parce que c'est un épisode spécial, c'est la centième, et pour la centième, on a des invités. Fait que notre premier invité qui vient au podcast, c'est nul autre que Pat Morita, qui a été nommé pour un Oscar en 84 pour, dans un film. Puis ben, je passe à l'anglais parce qu'évidemment, M. Morita ne parle pas français. Fait que, hello, Mr. Morita. Ready to say a few words? OK, on va passer à autre chose. Je pense que c'est pas pour tout de suite pour M. Morita. OK. Quand même, Renaud, des gros noms. Ah ouais, là, je suis déçu un peu, là. J'aurais aimé ça qu'ils nous disent plus longtemps. J'aurais aimé ça qu'ils nous disent quelques mots, mais ça va être après. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Fait que ben, si on fait le tour, je pourrais faire la petite introduction du podcast, puis je pourrais résumer, chacun son tour, vous pourriez résumer votre rôle dans le podcast. Fait que dans l'appel, on a le retour de Thierry dans le petit coin. Thierry, c'est quoi ton rôle dans le podcast? Ben moi, je suis membre fondateur du podcast. La première fois qu'on a enregistré le podcast, c'était là-dessus que ça s'est fait, là, sur le dictaphone là, de... Je vais te montrer à la caméra. Fait que depuis ce temps-là, ben c'est un peu moi qui s'occupe de la technique. On fait ça dans le dictaphone. Le premier épisode a été fait dans le dictaphone, comme ça. Je sais pas si tu t'en souviens, Renaud. Je m'en souviens. C'était le 28 avril 2019. Puis on avait fait ça un peu comme une blague. Puis c'est que cette journée-là, dans le fond, tout était possible. Hein? On aurait pu faire une vidéo, on aurait pu faire des jackass comme on en faisait quand on était plus jeune. Mais bon.
Moi, c'est la technique. Et peut-être aussi dire aux auditeurs qu'on se partage le montage, Thierry et moi. Fait que c'est le montage 50% du temps. Ouais. Ensuite, Vincent. J'ai pas grand rôle. Je suis là quand je peux. Puis au début, j'essayais à chaque fois d'amener une petite chronique éducative, mais je me suis vite tanné. Ben non, c'est pas que je me suis tanné, c'est juste que je prenais pas le temps de le faire. Puis t'es le quatrième frère à voir, c'est comme oui, ça qu'on oui, te présente. Oui, oui, je suis le quatrième frère à voir. Dans le temps des vidéos, tu sais, dans le temps des vidéos, je donnais un petit coup de main pour les scénarios puis le montage des fois, mais maintenant, pour le podcast, à part être invité... En fait, les invités, c'est très important. C'est déjà quelque chose, hein, les invités, c'est plus important que... Ouais. Que si c'était juste moi puis Renaud puis Julien des fois, parce que ça aurait pu être ça aussi le podcast. Je pense pas que ça aurait duré 100 épisodes. Non, fait que je suis là pour parce que je suis votre ami puis je suis chanceux. C'est ça. Ah, ensuite, on a Camille. Allô, moi aussi je suis une invitée du podcast. Dans les palmarès, je pense que c'est Mathieu, le librologue, qui était là avec plus d'épisodes. Ensuite, c'est vous, Camille. Ensuite, c'est Vincent. Ensuite, c'est Julien. Fait que, on pourrait dire que Vincent est devenu comme peut-être... Le troisième. Ouais, c'est peut-être... Oh non! Damn! Non, mais non, j'aurais 3,5 ou quelque chose. En tout cas, je l'aurais gradué. Mais Vincent, par contre, ne sera jamais un membre fondateur parce qu'il n'a pas été là au podcast des 8 bourgeons. Non. Des quoi? J'étais-tu là au podcast des 8 bourgeons? Non, c'était Julien, moi, puis Renaud. C'était chez Renaud. Sur sa table de pique-nique. Puis bon, ouais. On est allé. C'était le début du printemps. Puis. Pourquoi ça s'appelle les 8 bourgeons? Mais je pense qu'on le racontait dans le podcast. Mais moi, je venais en visite de Québec, parce que je réside à Québec. Puis à Québec, là, au 28 avril, là, il ne se passe pas grand-chose là, au niveau des bourgeons. Puis j'avais été bien impressionné d'arriver à Montréal et de constater que ça avait commencé. Puis ça avait inspiré. C'est ça qui. C'était parti de ça, en fait. Là. Ben, le contexte était parfait aussi, c'est parce que Renaud, à l'époque, cherchait beaucoup quoi mettre sur la page Facebook. Puis encore maintenant, je pense que c'est encore un problème. Là. Même s'il y avait encore l'agence des tempêtes, il n'y a pas eu de tempête cet hiver. Puis tu vois, quand je me donne la peine de mettre de quoi sur Facebook, j'ai mis de quoi hier sur Facebook. Puis évidemment, Thierry, t'es parti en peur là-dessus. Puis, toi, t'es parti en peur. Qu'est-ce qui s'est passé, Thierry? C'est que j'ai mis une photo de mon toaster. Sur la page Facebook des Frères Avard. Puis, okay. Je faisais remarquer que mon toaster, c'était pas un vrai toaster. Il manquait le T. C'était un hoster. Et puis Thierry est parti là-dessus en faisant comme, ben oui, on revient-en, là. C'est pas grave, ça mérite pas un post des Frères Avard. Puis j'étais comme, mais non, t'as dit, ça faisait 3 mois, j'avais rien mis, je me décide à mettre quelque chose. Moi aussi, j'ai un hoster, by the way, Renaud. C'est, ah ouais? C'est des bons toasters. Moi, j'ai un Black & Decker, fait que je me pose pas de questions. Ah oui, là, on voulait parler de nos épisodes favoris. Puis Camille, vous aviez, dans notre groupe privé de conversation, vous n'aviez partagé votre épisode préféré. J'ai le mien ensuite que je pourrais partager, mais commençons... Ça me fait drôle que tu me vois. Est-ce que ça a toujours été le même? Non, je me rappelle pas. Mais là, c'est la centième. Ou... J'ai beaucoup aimé le 86e, ça, hein, c'est ça que j'écris, 86. Oui. Parce que c'est l'épisode où on faisait la pause estivale, puis c'est l'épisode où est-ce qu'on se rencontrait dans votre jardin, Renaud. Puis c'était fun parce que, ben c'est ça, c'était comme une belle ambiance. Malgré que c'était spécial, là, je me rappelle m'être senti comme spécial, tu sais, un peu weird de... Genre revenir à la normale avec comme les discussions. Des fois, j'ai de la misère. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Vous l'écrirez dans les commentaires si c'est le cas. Mais moi, j'ai bien de la misère à avoir des phrases complètes quand je suis avec des gens maintenant. Puis les mots, ils viennent pas, là. Je sais pas si ça vous arrive. C'est comme on dirait, je sais pas, c'est-tu confinement qui fait ça ou bien c'est l'âge? Moi, je cherche souvent mes mots. Moi, ça m'arrive pas. Non? J'ai pas ce problème-là. Non, je parle pas beaucoup. J'ai pas souvent des conversations, mais il me semble que ça va. Moi, mon épisode préféré, c'est l'épisode 62. Est-ce que vous savez rappeler c'était quoi? Non. C'était. C'est la ligne bleue. Non, c'est les routines matinales. Ah.
diffusé le 13 novembre 2020. Puis c'est un des rares épisodes que je réécoute à l'occasion encore. Je trouve que c'est un de nos meilleurs épisodes. Je suis d'accord, Renaud, que ta chronique, ou du moins, je sais pas, ton intervention, ce que tu avais préparé, c'était touchant. C'est vrai que tu avais sorti le meilleur de toi-même dans cet épisode-là. C'est pas à cet épisode-là que j'avais fait une retraite verte? Non, c'était dans un autre épisode. Ah, oh, OK. Ah, tu faisais des retraites toi aussi, Camille? Oui, oui. Oui, je suis partie en retraite verte. C'était pas retraite verte, c'était multicolore. Il y avait plusieurs. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui arrive avec les retraites, c'est que c'est pire que la prison. Tu t'inscris à ça, tu t'en vas dans le bois, puis t'es pogné là pendant 2 semaines, puis il n'y a rien que tu peux faire. Moi, je l'ai déjà compté la fois que c'était à la retraite mauve, puis que je m'étais dit au moins il va y avoir des aubergines, mais Colin. Tu peux juste manger à la plure. Il enlevait la chair, il te faisait juste manger à la plure, dégoulinante d'huile. Oh, non, ça, là, en tout cas, si jamais vous voyez passer des annonces sur Google de retraite mauve, là, passez votre tour, c'est moi qui vous le dis. T'as-tu mangé des mûres à ce moment-là? Peut-être, c'est-tu considéré comme un aliment mauve? Ben, ou... il disait que ça comptait pas parce que en anglais, c'est blackberry. Et ça a l'air qu'en tout cas, on a assez chialé dans cette retraite-là. En plus, ça coûte tellement le faire. Non, mais tu te dis, il y a de quoi se ruiner. Mais... tu peux quoi? Dire, tu sais, un coup étampé, c'est mauve des Blackberry. Non, non, je le sais, mais il y a comme, tu sais, c'est des puristes, là, il y en a qui... Dans le fond, c'est quoi, t'as juste mangé des plures d'aubergines puis des betteraves? Des prunes? Des betteraves, c'est tout. Ouais, des plures de prunes, puis... C'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y a pas. Il y a des patates. Il y a des patates mauves. Ça, on a mangé des patates mauves. Des poivrons mauves aussi, il me semble, j'avais déjà vu ça. Oui. Ouais. Des carottes mauves. Puis il y avait des vieux restants de ketchup mauve aussi. Là, ça passe. <Okay. rire> Mais y a-t-il aussi des carottes? Il y a des carottes mauves. Puis les oignons rouges sont mauves. Est-ce que c'est considéré comme un aliment mauve? Mais l'oignon rouge, ça a même en fait avec les blackberry. En plus, en français, ça dit rouge, tu sais. Mais ça démontre un petit peu les faiblesses de la langue française. Franchement, on nomme des aliments en fonction de couleurs qui n'ont rien à voir. Ils ne sont pas leurs couleurs. Ben moi mon épisode favori à moi, c'était l'épisode 21. Moi, ça, je m'ennuie avec la pandémie de quand Thierry bourlinguait et allait à gauche puis à droite là, de partout sur la planète. L'épisode 21, c'est qu'il revenait de... Il revenait dessus ou il était au Vietnam? Puis là, il nous comptait son voyage au Vietnam. J'en revenais, oui. Ouais, mais ça, en tout cas, ça faisait rêver, puis je trouvais que Thierry avait le don de raconter ses voyages. Mais moi, dans le fond, mes épisodes préférés, c'est le contraire de Julien. C'est Retour dans le garage 1 et 2, c'est Autofiction, c'est des épisodes plus près d'ici, plus près de... où justement, où on se pose des questions sur la réalité du podcast. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que j'essaye vraiment de me faire pousser la barbe? Est-ce que je suis vraiment de la calvitie ou bien je me rase ça au ciseau? Tu sais, ce genre de truc-là. Puis, mais je dirais que mon épisode préféré ces derniers temps, c'est Savon de vaisselle. Parce que j'ai changé mon savon de vaisselle récemment. Puis ça m'a fait penser beaucoup à l'épisode Savon de vaisselle. J'ai pas réécouté, là. Je me semble qu'il est pas pire. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là? Ben, tu racontes quelque chose à propos du savon de vaisselle. Ouais, que je m'étais chicané avec ma femme à cause du savon de vaisselle. T'as couché dans le garage avec ton gros nounours. Je veux juste faire une mention. J'ai aussi un coup de cœur, moi, pour l'épisode 5. le déménagement à Québec. Ouais, c'est dommage, ça. Il n'y a pas eu d'autres déménagements pour faire un podcast dessus. Mais j'aime ça, les podcasts événements, tu sais, qu'on se transporte en quelque part. Fait que c'est peut-être qu'on pourrait penser à ça, étant donné que c'est la... Vincent, avant notre prochain épisode, t'avais-tu un épisode favori, toi? J'en ai deux ex-aequo. Puis je me rappelle pas du numéro, désolé. C'est celui que Capitaine Montréal était venu. On avait parlé des vieux jeux vidéo rétro. Mm. Sujet, c'est un sujet que j'aimais beaucoup, mais aussi le fait d'avoir un invité de même externe que je connaissais pas. J'ai rencontré ce gars-là, puis j'ai trouvé ça le fun. J'osais avec lui. Puis c'est un sujet que j'aimais bien, il y a ça. Puis sinon, on avait fait un podcast brunch quand on avait été chez Julien. Puis le podcast en tant que tel, je m'en fous un peu, mais j'aimais ça aller chez Julien avec vous autres. Là. Puis la game de Stocktaker,
pendant la soirée. Ben, c'est ça, le podcast Stocktaker, lui, il n'a jamais été réalisé. Ça, les gens ne savent pas, mais il y a des podcasts, des fois, qui ne font pas le cut. Mais puis, ça, on s'était pas vraiment forcé pour faire un podcast. Puis, m'a dit une affaire, si tu as envie de te faire les dents là-dessus, j'ai encore les séquences. Non, mais tu sais, c'est un peu comme, mettons, aujourd'hui, là, ils ont refait un documentaire, c'est les Beatles, là, où est-ce que tu vois les fins fonds des raccoins, puis tout ça, puis c'est des images qui ont jamais été dépoussiérées. Mais peut-être que, tu sais, si la célébrité nous frappe, là, comme podcast, peut-être que dans 50 ans, ils vont dépoussiérer les enregistrements du podcast de Stocktaker, puis ils vont dire c'est une perle, c'est de la merveille, ça. Ben c'est que la grosse erreur. J'ai abandonné les bras avec ça, parce que le gros problème, c'est qu'on n'explique pas les règles du jeu. Fait qu'on se met juste à brosser l'idée, puis à dire oh, 20 plus pour le bounce. Oh, puis on n'a pas expliqué c'était quoi le principe du jeu. Puis ça dure pendant 2h30. Tu vois, c'est ça la différence entre on fait juste être du monde ensemble qui parle ou bien on est du monde ensemble qui font un podcast. Il y a un niveau. Il faut qu'on se mette en mode podcast. Mais c'est un moment où vous aviez un peu une pause, toi puis Renaud, Thierry, où est-ce que vous vouliez enregistrer chaque occasion. Tu sais, ouais. On avait un souper de famille, il y avait un micro pendant le souper de famille. Vous étiez vraiment sur la planète podcast, vous mangiez du podcast, et vous pensiez que chaque occasion de vie méritait un podcast pour la décrire. Puis ça, au moins, je suis content que vous ayez un peu évolué à ce niveau-là. Non, parce qu'il y a une couple de fois, moi, ce que je roulais les yeux, je me disais, il veut encore faire un podcast. Parce qu'en plus, c'est qu'on ne voyait pas, on ne voit pas si souvent que ça, Julien. Fait que tu sais, à chaque fois que tu étais là, dans le coin, donc dans le voisinage, on disait qu'il faut en profiter, allez, on sort le micro, on va essayer, il va nous parler du Nord, il va nous parler de la Chicoutée, puis de quoi que les lacs sont rendus. En passant, en parlant du Nord, juste mentionné, je pense pas que je l'ai dit, en ce moment, moi, je suis à Bay James. C'est pour ça que j'ai payé pour pouvoir être là. Puis aujourd'hui, j'ai vu un orignal, puis j'ai essayé de le prendre en photo, mais il s'est sauvé, j'étais un peu déçu. T'es où? T'es-tu à Pourvoirie Mirage? Non, je suis plus loin que ça. Comment ça s'appelle? Kenai, proche de la centrale LG4, là. Kenoya? Attends, c'est écrit ici 2 secondes. OK, c'est vrai de vrai, là. Ben oui, encore. C'est toujours bon un peu de nordicité dans notre podcast. C'est toujours bon que ce soit Julien, que ce soit Vincent. Ça fait du bien. Ben là, Vincent... Contre, je suis entre Sakami puis Brisé, puis j'ai oublié comment ça s'appelle. Keyano. Keyano, OK. Mais sérieusement, Vincent, il va sûrement devenir un meilleur spécialiste du Nord que moi. Là. Moi, j'y vois plus autant. Ben en fait, je ne veux pas dire ça. Je pense que c'est plus que c'est moi qui reprends le flambeau. Êtes-vous prêt pour notre deuxième invité? Ben oui. Centenaire ou je sais pas. Notre deuxième invité qui va venir nous dire quelques mots pour notre centième épisode, c'est nul autre que M. Muscle les dents, M. Burt Lancaster, qui est avec nous. Évidemment, je passe à l'anglais encore une fois parce qu'il parle pas français. So, Bert, are you ready to say a few words for the podcast LFR? Well, don't worry, I got one of my feelings. Okay. Well, something dicey about the setup. Let's pull out of here. What? First, it's Renault, not Rico, and we cannot just stop the podcast. Never mind. Bon, je pense que ça ne marche pas avec nos invités, fait qu'on va, on va poursuivre. Est-ce qu'il y a un autre invité qui s'en vient, Renaud? Non, j'en avais juste deux. Oh. On parlait de nos souvenirs. On a parlé aussi, au début du podcast, on parlait beaucoup de politique. Je ne sais pas si vous en souvenez. De théâtre. On parlait aussi beaucoup de... Renaud s'est figé. On parlait aussi au début, c'était un podcast à démocratie, me semble. Démocratie, le théâtre. C'était aussi. On parlait de films. On parlait de. Renaud, il y avait un projet pour un film de Batman sur le Titanic. Puis je comprends pas que ça n'existe pas à ce jour. Mais bon. Ouais, c'est la pandémie. Moi, j'avais eu une idée meilleure que ça. C'était Lego Batman sur Lego Titanic ou quelque chose de même. Ah, c'est peut-être plus facile à réaliser. Peut-être. Peut-être pas. Lego. Lego!
Lego, pas Lego. Lego, mais Lego, Lego. Ben, les petits blocs, là. OK, les blocs. Moi, je pensais Lego comme des égaux. Là, j'étais comme, oh, OK. T'avais pas de go, encore. Hein? On avait parlé un épisode, Thierry, je ne sais pas si tu te souviens, d'instaurer une monarchie au Québec. Ah, et oui, si on faisait ça, ben de mettre la famille Havard là, comme maison royale. Puis moi, récemment, je me suis acheté un nouveau jeu qui s'appelle Crusader Kings 3, dans lequel on peut incarner une dynastie. Puis dans cette dynastie-là, ben, j'ai pu assouvir là, mon fantasme que la famille Havard devient une famille monarchique, donc dans laquelle il y a notre père qui est roi, puis à sa mort, je suis devenu le roi. Puis Julien et Thierry, vous êtes des princes du pays avec des comtés puis tout ça. Moi, j'ai bien failli pas devenir roi parce que j'ai pogné une consomptivite, c'est tout ça? La consomption. Oui, c'est ça. Une genre de tuberculose. Qui a bien failli me tuer, puis que ce soit Julien qui prenne ma place dans la ligne de succession, mais c'est je me suis rétabli. Puis je ne sais pas si vous voulez savoir, parce qu'évidemment, j'en ai profité pour créer aussi les personnages de Vincent et Camille. Voulez-vous savoir qu'est-ce qui se passe avec vous? Ben oui! Puis dans le prochain épisode, là, parce que là, évidemment, au moment d'écrire dans ma partie, on est rendu qu'on a tout à peu près entre 45 et 55 ans là, dans le jeu. Fait que au prochain épisode, on pourra voir qu'est-ce qui arrive. Bon, le prince Thierry, toi, tu t'es marié avec une princesse du Saint-Empire romain. Cool. Puis t'as un enfant. Julien, tu t'es marié avec une fille d'Espagne, une fille d'un comte d'Espagne. Puis vous avez plein d'enfants. Puis Camille... je suis mariée et j'ai plein d'enfants. Non, tu es la veuve de Alberto Rabaldi. Puis t'es la mère du comte Azzo. Fait que c'est pas mal ça. Roberto Avalzi. Fait que j'étais comme avec un Italien. C'est en quelle année ça? On est en 1100 à peu près. Ah. Puis moi, Renaud. Hein? Puis Vincent, toi, t'es le comte de Valois en France. Oh! Fait que. Tranquille. Je suis bien hâte de voir qu'est-ce que l'avenir réserve là, pour chacun de nos personnages, pour voir comment qu'on va mourir. J'ai lu quelque chose d'intéressant récemment, où est-ce qu'il disait que la grande majorité des Nord-Américains aujourd'hui vivent plus richement, t'sais, ont plus de confort que Louis XIV. C'est quand même assez fou. Là. On est des centaines de millions en Amérique du Nord à vivre, à jouir de plus de confort que Louis XIV. Et Louis XIV, ah, ouais, ça, c'était dans les années 15... C'est quelle année, 1600. Ça? De 1600. Mais quand tu tiens compte du système de santé, tu tiens compte qu'Internet donne accès à toute l'information, la culture, que tu as accès à toutes sortes de nourritures variées en tout temps, que le transport est rapide, que... Quand on tient compte de tous les services qu'un Nord-Américain moyen a, il est en techniquement plus riche que Louis XIV. Moi, je pense que ça va être la clôture de la centième. Oui, c'est la saison 4 est lancée, puis on donne toute la gomme. On part ça, on a des t-shirts, mais qu'il n'y en ait plus, on va en recommander. Puis les tasses de café, par contre, ça, c'est back-order. Là. Je n'avais moins que je pensais. Là. Fait qu'il en avait juste une, puis elle est vendue. Fait que c'est ça. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là en cette belle soirée du mois de janvier 2022, le vendredi 21 janvier. C'est la saison 4 qui prend son envoi de retour sur une base aux deux semaines, là, comme l'année dernière. Thierry, dans le petit coin, merci d'avoir été là. Vincent, en direct de la Baie James. Julien, de Québec. Et Camille, de Longue-Pointe. Et moi-même, à Tétroville. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine. Yeah! Oh, bon boy! Bonne année! Je sors les effets de pyrotechnie, ben je sais pas si à ma fête on va se voir, fait
Alors, ça risque d'être un podcast fête virtuel. Bon, sur ce, salut tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Prenez bye, bonne soirée. Épisode du podcast qui se termine sans que rien se soit réglé, mais au moins on s'est parlé avec le cœur. C'est le podcast des frères Havard.